Voilà, et nous bien contents ensemble avec vous pour yon lot interview, dans une série d'interviews que nous supposons réaliser à Gwenadyeyo à l'approche de l'éliminatoire en Coupe du Monde Qatar 2022. Jodi a nous pral fonti parler avec une Gwenadyeyo qui se distingue pendant dernière saison. Hein. Nous avons parlé d'un joueur football qui grandit en Haïti, qui a joué en France en deuxième division, à Auxerre. Vous devinez probablement de qui est-ce qu'on parlait. Collins Arcus, ensemble avec nous. Nous pourrons le faire parler avec Collins. Collins, bonsoir. Comment est-ce? Bonsoir Jean-Pierre, nèg en forme, tout bagay très bien. Là, moi en vacances, donc m'a profité pour me reposer, mais sinon tout bagay en forme, santé en forme. Yes, c'est son plaisir, Collins, pour nous recevoir parce que, ou quand même, ça te fait une très longue, et m'a envie de dire, saison et dans la deuxième division en France, longue parce que, ou joue en pile, et qui j'en vacances, oui. Bah écoute, son plaisir pour moi-même tout, viens fonti discuter avec vous là et pour parler de saison moins, pour parler de ambition moins, des projets moins. Sinon, vacances là en forme sont vacances qui méritaient. Après une longue saison comme ça, c'est une vacances qui vraiment méritaient pour permettre nous recharger batterie et pour nous capables de force, énergie physique et mentale pour nous capables d'affronter l'autre objectif qui vient pour venir là, qui c'est la sélection nationale. Très bien. En pile objectif, effectivement, et Collins. Maintenant, moi, t'as aimé rentrer directement dans la question ça ensemble avec vous. Collins saute fait 38 matchs de deuxième division. Malgré Covid, malgré blessures, malgré éventuelles suspensions, malgré vraiment tout aléa qui est capable de faire un entraîneur choisi, pas mettre tel joueur au profit de tel lot, ou arriver quand même jouer 38 matchs, et quel est le secret? Parce que c'est quand même mon erreur. Après, à vrai dire, c'est la première saison que moi fait comme ça. Donc, bon, c'est secret assez l'allié. C'est l'allié, pas gain deux, trois balles qu'il est capable de dire. C'est le travail et confiance en soi. Donc, ça fait un plaisir que moi ici, pour première saison comme ça, me sortir avec 38 matchs. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Moi, ça, tu me fiais, mais c'est moi, c'est que j'aime Zola. C'est créé assez travail, pas une autre bagaille. Maintenant, écoute, l'année passée, où tu as joué 24 matchs, 24 matchs de Ligue 2, année ça fait 38, ça veut dire que c'est quand même un gros bond en termes de nombre de matchs joués, ça fait quand même 14 matchs de plus. Qui ça différent de l'année passée à année ça, particulièrement dans l'évolution comme footballeur ou bien dans situation comme joueur de la Géoxère? Est-ce qu'on a qui changeait? Bah, à vrai dire, il faut dire que c'est à cause de Covid là qui fait que le championnat a été campé. Donc, c'est peut-être ça que m'ai fait 24 matchs. M'ai joué 24 matchs. Et bon, différence que je suis capable de dire, c'est que je me sens que chaque année, toujours gagnant progression sur le plan technique, sur le plan mental. Surtout, année ça, c'est que sur le plan mental. Et c'est là que moi, ouais, y ont énorme progression. Qui sait? Et chaque match, pour moi-même, moi, je trouvais que Anessa, chaque match, moi, était. Comment dire ça? Ça permet, moi, Pachita, soit Hakim. C'est-à-dire que pour moi, continuer à faire plus, pour moi, toujours faire plus. Et chaque match, c'est toujours une remise en question. Donc, c'est ça que moi, apprendre au niveau professionnel, ça, à haut niveau, ça. Donc, ça fait me contenter, ça fait me fier que. Moi, senti me progresser sur le plan ça parce que pour moi même son monde qui gagne ambition bouger la Ligue des Champions Coupe du Monde et tout gros championnat qu'on est qui existait donc moi c'est que la remise en question son bagage qui est extrêmement important dans mon professionnel ça donc moi c'est que sur ce point-là et moi franchi un cap et bon après je pense que sur le plan technique aussi moi, franchement, en cap, la preuve, j'ai fini à 5 passes décisives. Donc, moi, c'est que ça te capable plus si attaquant ne pas te mettre boulot dehors. Mais c'est déjà bien pour un latéral à 5 passes décisives. Donc, ça montre que
offensivement, moi poté en pile et moi capable toujours poté plus. Donc, c'est des points pour moi qui sont très importants à mes yeux pendant la saison ça. Donc, différence, c'est là le fait. Maintenant, qui ça qui, t'a dit, train de vie, Colin Circus, d'un point de vue surtout hygiène de vie? C'est-à-dire, comment arriver à gérer les questions ça pour pas blesser, pour toujours en forme? Parce que n'importe qui baisse de forme physique, capable de faire coach Candy, par exemple, ah, bon, choisir réserve Lapito, et joueur qui est généralement réserviste Lapito, au lieu de vous-même. Mais au travers de toute saison, ou pratiquement pas de jamais dans le cas de figure ça, et qui ça hygiène de vie quand l'un s'accuse? Qui sont évités faits, qui sont toujours faits? Parlez-nous de ça. Bah après à vrai dire, c'est des objectifs. Parce que chaque début de saison, avant que moi commence la saison, moi toujours mettais des objectifs très en vue. Par exemple, sous hygiène de vie, moi, qui gens que moi va dormir, à qui moi supposé à dormir, qui ça moi supposé manger, qui ça supposé dans le plat, moi, chaque matin, ni midi, ni en soir, et même après match tout. Donc, tout ça, c'est des choses, en fait, que moi mettais dans la tête en début de saison. Donc, bah, c'est que année ça a réussi, bah, m'a continué sur ça. Par exemple, je connais que je me démettais objectif pour moi sous cabane, pour mon cabane à 23 h du soir, et pour me lever bien bonnet, à l'entraînement, et moi manger bien le matin, et heureusement aussi que le club là mettait un système pour côté nous capables de prendre un petit déjeuner dans le club là, nous capables de prendre un déjeuner aussi. Donc, tout ça, c'est des choses en fait qui fait que ben, ça permet moi d'être dans la nutrition, moi, sous objectif moi, très très précis, quoi. Donc, et surtout aussi la récupération qui c'est très très important après un match et même surtout pendant la semaine parce que. Coach, c'est un coach qui connaît notre travail, parce que nous travaillons en pile, nous entraînons en pile. Et donc, ça m'a aidé pour capable récupérer, pour capable boire assez, pour capable manger ce qu'il faut, pour capable tenir durant tous ces entraînements, quoi. Donc, c'est un peu de tout, en fait. Et surtout aussi, je pense que c'est le côté mental, tu vois. Donc, c'est-à-dire, à grand pile tentation, donc, C'est ça. Donc, c'est surtout qu'on connaît qu'on a un gros objectif, qu'on qui sont voulait. Donc, même si il y a un peu de tentation, ben, pour toujours être sous objectif, nous, on a qui s'en a mangé, qui s'en a pas mangé, qui s'en a pas de manger. Donc, c'est tout ça, quoi. Est-ce que pendant les vacances là, me supposé, ou font-ils déconnecter de toute exigence professionnelle, ça, ou font-ils laisser aller, quoi? Ah ouais, bah c'était obligé quand même, Jean-Pierre. C'était obligé. Pendant une année comme ça, très très dur. Donc, c'était obligé, allez, 2 3 jours et on se fait plaisir quand même. Mais après, leur professionnel, vous vite penser que non, 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 ça va pour quoi. Donc, faut C'est retourner ça. tout le boulot. Très bien. Maintenant, où sont Dili, entraîneur a exigé en pile avec nous, nous travaillons en pile et focus sur le côté mental. À un moment de la durée, Auxerre, t'es quand même top 4. Progressivement nous sortis dans top 5 là qui tape nous doit quand même gon espoir pour la montée en Ligue 1. Ajax Auxerre c'est quand même un club qui gon gros histoire en première division française. Nous échouer m'ta dit à la toute dernière journée et nous finalement finis 6e donc hors top 5. C'est gon petite déception sous ça. J'en peux se décacher, c'est pas anti-déception, c'est quand même une grosse déception parce que pour un club tokou Ajax Auxerre et pour des joueurs que nous gagnons saison ça. Et depuis l'aime qu'on aime dans Auxerre, c'est un effectif qui me décapable bien en termes de qualité technique. C'est effectif qui est mieux armé pour nous capables de réaliser l'objectif, nous. Et pour moi-même, tout personnellement, qui gagne rêve, qui gagne des ambitions très très haut. Donc je pense que tout ça, en fait, ça fait que bah, m'être dit que c'est quand même une grosse déception. Parce que nous t'es quand même bien préparé pour ça. Mais bon, après, c'est le foot. Moi, pas envie tout le temps de dire c'est le foot parce que c'est vraiment pas la guéchala là, tout sur le foot, c'est le foot. C'est nous-mêmes tous qui sommes rien, qui faut faire ce qu'il faut, quoi. Donc, nous pas fait ce qu'il fallait. Et bon,
C'est passé comme ça, même pas ces questions, grosse déception par rapport à objectif et collectif qu'il y a dégain, et objectif surtout professionnel et personnel qu'il y a dégain. Donc, ça reste quand même une grosse déception. M'a songé, Colin, parce que en janvier 2021, c'est-à-dire nous étions en janvier année, et Auxerre te bat Châteauroux 4 à 1, et par contre, on a songé match ça, et là, ça, après victoire ça, AG Auxerre passé quatrième, à 3 points du deuxième, qui à l'époque était Toulouse. C'est-à-dire, on était tout près, quoi. Et c'était quand même 20 journées qu'ils jouaient déjà. Et qui ça ou estimait qu'il était venu manquer dans la deuxième partie de saison 1, qui expliquait que Auxerre était progressivement glissé, descendre, quitter top 5 là? Pour moi-même, bah, c'est que ça joue sur le plan mental. Parce que m'ba capable dit c'est sur le plan physique, parce que nous entraîner assez pour nous capables de quimber toute en saison. Et c'est pas comme si tout nous c'est Paris Saint-Germain qui a joué sur quatre tableaux ou cinq tableaux pendant la saison, quoi. Donc c'est que la Ligue 2. Donc forcément, je pense pas que c'est le côté physique, mais c'est surtout tu vois, le côté mental. C'est-à-dire que qui moun qui voulait plus, qui moun qui voulait monter en Ligue 1, qui moun qui gagne objectif très très fixé. Donc bon, c'est que si Green, si Youno, soit deux ou trois joueurs dans l'équipe là, ou soit Mbakonè, même, je sais pas, même en termes de staff ou quoi que ce soit, qui gagne objectif ça et que les autres, ils n'ont pas forcément dans la même ligne là. Donc, à un moment donné, ou après, tu défends ensemble. Donc, bon, c'est que dans mi-temps saison, par moment, c'est des bagailles qui t'es capable endommager, non? C'est-à-dire que sur le plan mental, que qui est-ce qui veut plus, qui est-ce qui veut faire plus effort, qui est-ce qui veut courir plus, qui est-ce qui voulait faire un passe pour jouer ça fait goal là, qui est-ce qui voulait goûter pour ne pas prendre goal. Donc, je pense que c'est tout petit détail ça qui t'est manqué, nous, qui fait que ben, petit à petit, nous commençons à descendre dans le classement. Et puis voilà, quoi, nous pas réussi quand même pour nous au moins dans le top 5 pour faire playoff, quoi. Donc, je pense que c'est surtout le côté mental, quoi. C'est ça. Bon, maintenant, bon, moi, tout est sous côté personnel, là, c'est-à-dire, ou même développement en saison, ça. Ou prend seulement 6 cartons jaunes, et Colin, c'est ça qui bat en moyenne de 1 carton jaune chaque 6 matchs environ. Et moi, j'étais pas là avec Jean-Jacques, et ça gagne 3 jours, justement, sous performance, ça. Et monsieur qui était en défenseur, même Jean avec vous, il est au défenseur latéral, même monsieur était plus et en défense centrale lui-même. Monsieur dit que son bail est exceptionnel et que ça montrait qu'on jouait propre. Et il y a des gens dans la communauté, c'est Oiseland qui dit que c'est un côté quand l'Ens progressait en pile parce que autrefois, tu es qu'on contient impatience et tu es qu'on prend plus souvent carton que vont et Kounia. Est-ce que vous remarquez ça ou travaillez sur ça et comment ça échange dans ça? Bah, bien sûr, Jean-Pierre. Ouais. Ça, c'est tout petit détail que avant en début de saison, moi, je t'ai parlé avec Ajam et que pour moi, capable, ouais, dans quelle mesure, capable de progresser dans chaque détail. Et détail, ça, c'est ton bagage qui était important pour moi. Pour un joueur, pour fixer des objectifs, c'est des objectifs pour moi-même qui m'était suivre. Et pour me venir avec son problème là, et c'est vrai qu'il y a 3 ans, moi, j'étais pris en pile carton vraiment. Après, on peut toujours poser des questions, on peut toujours dire que est-ce que c'est parce que l'équipe, moi, c'est ton équipe il y a 3 ans qui jouait le maintien, qui n'avait pas de possession et que à chaque fois, on était toujours en duel un contre un ou deux contre un. Est-ce que c'est parce que moi, j'étais fait venir dans mon professionnel, c'est-à-dire que m'a enchaîné des matchs, que moi, j'étais voulu montrer qui ça me vaut, moi, j'étais un peu trop agressif. Donc, on peut toujours dire ça, en fait. Nous sommes capables de faire un gros débat sur ça. Mais après, au final, il faut qu'on soit capable de réfléchir sur ça et puis qu'on connaisse qui réellement, qui ça cause ça. Ben, il y a 2 ans, ben, moi, chita, moi, passé sur ça et vraiment, la preuve, moi, prends moins ce carton. Donc, ça veut dire que moi, analyser la situation, moi, ou bien. Et en plus, à force de jouer aussi, donc, tu prends la maturité aussi, donc, tu prends de Tout à fait. l'expérience. Donc, au compte qui j'en pour maîtriser en certaines situations. Et après, ça me capable du tout, c'est le fait que Jean-Marc Furlan, qui a un jeu, on va dire, qui est plus basé sur la possession. Donc, forcément, si tu regardes le stade, par exemple, là, ou surtout le stade que moi, prends. Et 5, 6 cartons jaunes. Mais si tu vas regarder les stats un peu, genre en mode combien de ballons touchés, tu vas voir en moyenne,
c'est 85, 90. Donc, c'est énorme pour un latéral. Donc, ça veut dire que je touche beaucoup de ballons, je participe beaucoup dans le jeu. Donc, ça veut dire que si un latéral, il touche en moyenne 80, 100 ballons par match, donc ça veut dire que l'équipe adverse, et c'est Chita et Abchita garder nos quatre jeux, en fait. C'est très bien. Donc forcément, moins plus offensif que défensif. Donc, moins duel pour me jouer. Donc, ça peut résumer tout ça, en fait. Donc, c'est analyse que je suis capable de porter pour vous par rapport à la question que vous posez. Très bien. Maintenant, Léo pourrait passer encore saison et Colin Sarcus, meilleure saison depuis que vous avez joué en Europe. Ligue là dans le tour, on Colin qui était meilleur joueur du mois de janvier dans l'équipage Auxerre là, c'était quand même une belle réalisation. Et Colin fait plusieurs fois tour 11 idéal de la journée en Ligue 2, pas seulement dans l'équipage Auxerre là, mais vraiment 11 idéal sur le championnat. Et l'obgade des qualités saison ça qu'on fait, hein, et particulièrement le joueur haïtien en lui-même. Question, ça, je pense que, par contre, qui j'en parle répondre, ni qui ça qui expliquait que le footballeur haïtien gagne du mal pour imposer en Europe. Là, je te parle en général, Ouais, pas en forcément général. dans le cas Collins, parce que Collins lui-même, il est en train de réussir et a dit traverser là en Europe, mais en général, ça pose problème. Des fois, il arrive, il n'a pas passé ce stage-là, des fois, il passe ce stage-là, mais il joue très peu. Et qui sort Cadine sous ça? Après, j'aime bien, c'est des questions que nous sommes capables de débattre un paquet de temps là-dedans. Mais mon point de vue, c'est que bah, c'est que c'est une question de mental. De qui sauve les et est-ce qu'on croit dans sauve les. Qui objectif et qui ça qu'on fait pour capable réaliser objectif ça. Donc pour moi-même, c'est comme ça que moi, ouais, bagala en premier. Après, on peut toujours dire que ouais, nous pas des dirigeants, dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, c'est pour moi, c'est des excuses. On a cherché trop d'excuses, en fait. C'est surtout pour jouer, hein, monde qui veut jouer, qui veut réussir. Hein. C'est lui fixer objectif et qui ça le fait pour lui capable mener vers objectif ça. Donc, s'il n'a pas fait toutes les choses correctes, c'est-à-dire que la pensée football, l'abdomen football, la manger football, tout ça l'a fait, c'est football. Ben à un moment donné, comment tu veux que on va le vivre en Europe pour penser qu'on va le réussir? C'est impossible. Parce qu'en Europe, tous les gens ici, ils pensent football, ils mangent football, ils font tout en foot, en fait. Mais en Haïti, après, comme on dit, on peut dire que parce qu'il n'y a pas de manger pour le manger, parce qu'il y a un problème pour le payer, Kylie, parce que ceci, l'Elvini en Europe, les quitter madame, les quitter ceci, quitter famille, tout ça, pas le problème. Mais moi-même, c'est même cas pour moi. Donc, là, qu'on a, c'est regarder qui n'est qui gagne plus mental, qui pour capable se passer de tout ça. Moi, si je commence à parler un peu d'histoire d'avant, ou capable de trouver que les longues, mais c'est pour montrer que et ça dépend de mindset, hein, ça dépend de qui objectif faut mettre et qui sont faits pour capable aller vers objectif ça. Donc, je pense que c'est un peu comme ça, en fait. Donc, ou pas quoi que gon problème de talent, par exemple, ou pas bêtel dans Bon, niveau talent. pour moi-même, c'est pas un problème de ça, franchement. Et pourtant, moi, je joue à Lille, pourtant, moi, je joue avec quand même des joueurs internationaux, quand même, tu vois. Donc, des joueurs qui jouent en équipe de France, équipe de Portugal, d'Espagne. Mais pour moi, c'est une question de discipline, tu vois. Discipline, détermination, de rigueur dans tout ce que tu fais, en fait. C'est-à-dire que pour pas jamais, Chita soit acquis au bout de dire que, OK, moi, arrivé, moi, je fais un stage. Et moi, guitare, c'est moi, guitare, c'est là, non. C'est ou rivez, ou à l'imposo, et puis ou voulez toujours plus. Ou fin imposo, ou voulez toujours plus. Donc, pour moi, c'est mindset comme ça que nous-mêmes, en Haïti, et en paquet de jouets, et pas gain. Et tandis que moi, c'est qu'en termes de qualité technique et qualité physique, bon, ça, on n'en parle plus. Ils sont bêtes, nous, dans la qualité, ça. Donc, c'est pour montrer que c'est surtout le côté mental, psychologique, en fait. Voilà, c'est le bon mot. Bon, maintenant, écoute, on le sait, quand Lens gagne, il y a de grosses ambitions. Et moi, j'ai en octobre 2020 où tu fais une interview dans le magazine des Bleus, qui c'est un magazine de la JOCR même. Koto, tu as dit très clairement que jouer la Ligue 1, jouer la Ligue des Champions un jour et jouer une Coupe du Monde avec Haïti, c'est trois gros objectifs qu'on gagne. Bon, C'est et pour me parler de première, ou pas arriver à tenir à quelqu'un pour année ça, m'a parlé de la JOCR.
Maintenant, est-ce que Collins est convoité par des clubs de la première division française? Je pense oui, mais comme je te dis, moi j'aime bien quand les choses soient claires. Donc pour le moment, moi j'étais en vacances, moi toujours en vacances. Donc là, moi j'aimerais aller dans la sélection. Donc forcément, il y a, quand tu fais une bonne saison comme ça, il y aura toujours des trucs, il y a toujours des clubs qui s'intéressent à toi. À moins que, voilà. Mais moi, c'est que c'est, comme tu dis, c'est mon objectif. Même si que, ouais, c'est quand même, moi, je suis quand même déçu de ne pas monter avec l'équipe. Et, mais personnellement, c'est un objectif pour être capable de rejoindre une équipe première division. Parce qu'à un moment donné, j'ai 25 ans, et ça fait 4 ans que je suis en Ligue 2. Ça fait 4 ans quand même que je montre que voilà, j'ai le niveau pour passer un cap au-dessus. Et le club, il le sait. Je pense que Mounio Pabet, tu quand même penser que moi, je suis un jeune qui est avec un pile d'ambition. Donc. Et bien sûr qu'il y a des clubs qui sont intéressés, mais Est-ce que bon. Bordeaux fait partie du club ça? Bah, Bordeaux, pff, comment je peux dire ça? Parce que moi, j'ai entendu ça depuis décembre. Donc, et à nous, j'ai appris cette nouvelle-là en même temps qu'on paquette mon en Haïti. Mais c'est quelque chose que j'avais entendu en décembre, mais comme quoi qu'ils avaient un œil sur moi. Donc, un œil sur toi et qu'il te veut vraiment, c'est deux choses différentes. Donc, pour le moment, beaucoup gagnent en dirigeant Bordeaux qui relève, qui dit que bon, Callens, nous voulons, nous voulons dépenser l'argent sous. Donc, même attendez que mon œil sous moi. Et ça, c'était il y a 6 mois. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, on attend, on verra. Mais Et l'agent, est-ce on que par verra. exemple, il y a l'autre club qui parlait avec vous déjà, ou bien entourage certains, ou bien entourage pas, c'est-à-dire d'autres clubs et de l'élite, par exemple? Non, pour concernant moi-même, pas aucun club qui discute avec moi, qui m'aimerait qui parle avec moi. Donc, comme je dis, ça c'est je laisse ça à mes agents parce que j'ai un contrat avec eux. Et comme ils ont même été quittés, me fait travailler moi sous terrain. Donc, moi-même, c'est mon moment qu'on y a pour me chill et me quitter. Oh, bah, je t'ai fait mal, Exactement. À quelle reprise avec vous, c'est-à-dire est-ce que nous avons date déjà pour nous retourner et Oui, à l'entraînement? Quelle est la date? ouais, c'est le 16, mais avec 16 du juin. coup, ouais, 16 juin, donc avec échéance que moi j'ai gagné avec Haïti. Si nous qualifions pour deuxième tour, qualification en Coupe du Monde, là, qui c'est, on va jouer contre Canada. Donc, bah, c'est qu'après le match retour du Canada, jouer un peu de temps, vu que je ne suis pas tellement vraiment coupé. Donc, bah, c'est que je vais quitter mon petit temps, et puis après. Bah, c'est que je vais enchaîner encore pour barrage Gold Cup. Donc, bah, beaucoup connaît vraiment si maintenant on a reprise Anissa avec le club. Je comprends. Bon, eh bien, et maintenant, voilà qui pourrait faire transition vers sélection nationale là. Collins n'est pas joué en sélection nationale depuis vraiment belle lurette, depuis 18 mois, et ce match contre Costa Rica qui était fini nul, un but partout, c'était un triste résultat. En fait, le résultat en soi, son bon résultat qu'une a fait nul contre Costa Rica, mais ça t'est carrément descendu nous en Ligue B des Nations de la CONCACAF. Et 18 mois plus tard, et comment feeling y est, sensation y est, tu as été convoqué, donc tu vas rejoindre l'équipe dans très peu de temps en République dominicaine. Font-ils parler de sensation ça et revenir en équipe nationale? Bah, pour me venir un tout petit sous question de dernier match qui était joué contre Costa Rica. Et jusqu'à maintenant, c'est un match que moi beaucoup fait digérer parce que j'ai pas envie que les gens ils pensent que c'est parce que c'est Haïti et qu'on fait match nul contre Costa Rica et que voilà, c'est déjà bien. Parce que je pense qu'avec les joueurs qu'on a, on peut faire beaucoup mieux. Donc, c'est pas pour me vanter, c'est pas pour me dire parole C'est comme pas ça. en parole en l'air. Mais c'est pas en parlant en l'air. Donc, je pense qu'avec qualité qui nous gagne, hein, et même si que parfois je repars régulièrement dans le club bio, mais je pense qu'avec un petit peu plus de mentalité, c'est-à-dire qu'on veut plus que l'adversaire, je pense que nous sommes capables de battre plusieurs équipes dans la zone noire. Donc, ça a été quand même en déception.
Après, pour moi, pour le cas personnel, bah, c'est toujours un plaisir pour moi. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi. En plus, d'autant plus, bat Vini en mars là. Donc, moi, vraiment impatient pour me jouer pour Haïti. En plus, c'est des matchs qui, même si c'est des matchs, le regard des adversaires on dit que voilà, ça va le faire. Mais dans le foot, il n'y a rien qui est fait quoi, en avance. Donc, le foot, c'est tellement imprévisible. Donc, faut que nous travaillions dur, faut que nous travaillions, faut que nous bien préparions le match à haut. Donc, pour moi, c'est des belles challenges. Donc, c'est la première année que moi, senti sélection nationale a gagné un bel challenge comme ça. Donc, c'est à nous-mêmes pour nous relever challenge ça. Et je me sens prêt, je me sens dans bon état d'esprit tout pour moi capable d'aider la sélection nationale là, relever tout défi ça. Et en fait, et depuis donc et novembre 2019, au pas de jouer avec Haïti, hein, et ça fait donc, j'aime se dire, là, 18 mois, et gampi le bagage qui changeait entre-temps, hein, c'est en l'autre fédération, c'est en l'autre entraîneur, et pour me parler particulièrement du côté technique, là, et Jean-Jacques Pierre, est-ce que c'est ou bien son joueur côté qu'on suit, et qui relation qu'on gagne à nouveau sélectionneur actuel? Bah déjà, quand j'étais en Haïti, à l'âge de 12 ans, 13 ans, et l'MTN quoi de bouquet dans l'opération 2018 moyen. C'est pour moi, il était fait partie de deux idoles qui me dégainent bah, jusqu'à maintenant, quoi. Lui-même avec et Bruni. Donc, pour moi-même, comme c'était défenseur à l'époque, parce que me défend mes défenseurs, pour moi, c'était des joueurs qui était idole, moi, qui me tape sur Bruni, Pierre Richard. Et puis, Jean-Jacques Pierre. Donc, c'est pas parce que il était connu en Haïti, mais c'est parce que qu'on a regardé la discipline qu'il mettait, détermination qu'il mettait, qui fait que ben, je prends un paquet d'exemples. Et le fait que moi, je joigne monsieur comme entraîneur, pour moi-même, c'est que du bonus. Et parce que moi, je vais l'apprendre humainement, bon côté monsieur, et professionnellement surtout, comme on est qui joue Ligue 1, et probablement, je suis capable de jouer une équipe Ligue 1, on dit si bon Dieu voulait, et que si tout le bagage marchait bien. Donc, et forcément, c'est que du bénéfice en fait. C'est que du bonus pour moi, je prends un paquet de bagailles, bon côté monsieur. Donc, pour moi-même, c'est un honneur pour moi. Et dans le téléphone, feeling l'a passé très bien. Donc, il n'y a pas de raison pour que ça ne se passe pas trop bien. En ce qui concerne la Fédé, ben, c'est un nouveau chapitre maintenant, c'est un nouveau, son nouvelle dimension. Donc, nous faisons confiance à mon cap travail le boyau. Qui travaille dans la fédération, pour capable mettre les joueurs dans bonnes conditions possibles, parce que, année passée, on ne va pas mentir, parfois, nous pas vraiment, nous-mêmes, nous ne jouons pas vraiment dans bonnes conditions pour nous être capables de réaliser de telles performances que pays à obtenir, qui c'est contre Costa Rica et même contre Curaçao. Donc, pour moi, c'est des déceptions, quoi. Donc, mais ça, comme je te dis, ce n'est pas seulement la faute des joueurs. Mais c'est surtout aussi dans quelles conditions qui est noté, dans quelles conditions qui nous a préparé le match. Donc, avec nouveau système, ça, on espère que c'est beaucoup mieux. Et que, bien sûr, avec Jean-Jacques Pierre et puis tout le staff, bah, c'est que M. Wall potait tout ce qu'il fallait pour que nous soyons capables de relever tout défi nous gagnons. Très bien. Maintenant, la Coupe du Monde, Qatar 2022, où se parlait tout à l'heure en pile de l'aspect mental question, hein, où se parlait de préparation, de les bonnes conditions et du talent des joueurs haïtiens. Est-ce que pour même l'organe des routes là, parcours que Haïti doit faire pour arriver dans la Coupe du Monde, est-ce qu'on croit que Qatar 2022, c'est un objectif réaliste? Pour me dire qu'avec moi, c'est que c'est un objectif qui va être très très compliqué. Mais m'a dit que qui est impossible, parce qu'il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Mais qui va être très compliqué, parce que les gens, ils pensent que pour aller en Coupe du Monde, ça se prépare en 2 ans, 3 ans. Non, non, non. Ça se prépare vraiment même 5, 10 ans même avant. Et est-ce que sélection ça les préparer vraiment suffisamment pour aller en Coupe du Monde? Je te réponds pas vraiment. Pas vraiment. Parce que, on va pas se mentir, moi dans la sélection, même ou même tout,
ou capable, ouais, dans quelles conditions parfois nous qu'on y est, mentalement, physiquement et techniquement pour nous capables préparer entraînement, pas besoin du match, entraînement pour préparer un bon stage. Donc avec niveau ça, bon, c'est que nous vraiment loin, loin, loin pour nous capables viser Coupe du Monde. Après, comme je dis, tout le rêve, tous les rêves sont permis. Hein, donc, on a continué à rêver et nous voilà continuer le travail. Et même pour être réaliste avec toi, je pense que c'est un rêve qui paraît très, très compliqué, quoi. Ouais, très compliqué. Bon, ceci dit, nous bien commencé parce que nous gagnons Belize 2-0. Match Ah oui, ça, où t'es bien sûr. gardé? Oui, bien sûr. Ouais, et comment t'es ouais, dans l'ensemble, équipe là, contre Bah, équipe Belize? dans l'ensemble, avec le peu de moyens que le coach qu'il avait, tout le staff, donc je pense qu'ils avaient quand même, comment dire, ils avaient quand même montré de bonnes choses, quoi. Donc tu vois vraiment que le coach, il veut faire quelque chose de bien, et ça se voyait sur le match. Mais après, comme je te dis, c'était un peu compliqué avec la façon que l'équipe a été préparée, avec des joueurs qui sont arrivés tardivement. Ouais, Et c'est on pas difficile. capable. Ouais, voilà. Donc, on n'est pas capable vraiment faire une analyse de un match comme ça. Mais le plus important, bah, c'est que c'était la victoire. Donc, ça, c'est ce genre de match qu'on dit que on s'en fout de la manière, on s'en fout de comment on joue. C'est la victoire qui compte. Donc, c'est quand tu penses comme ça, c'est dur de faire une telle analyse sportivement, en fait. Donc, je pense que les gens, ils vont plus nous juger et à partir de, par exemple, il tue ou Nicaragua. Donc, je pense que c'est là que ça va bien, 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 bien ce jeu, quoi. Donc, mais dans l'ensemble, je pense que c'était bien, quoi. Ok, maintenant, Colin, les vacances, c'est presque fini là maintenant. Est-ce Ah, que ouais, c'est fini qui doit même. quitter, ouais, fini, qui doit quitter l'Europe pour aller en République dominicaine? Est-ce que vous pouvez venir directement là-bas ou bien ou gagner l'autre connexion? Non, moi je viens directement là-bas. Moi j'ai rendez-vous samedi. Donc samedi, m'a voyagé avec plusieurs autres gens encore, comme Franz Pirro, que moi avec lui souvent en téléphone, Brian Bus, et je crois aussi Sonny Mustivar. Et après, on l'autre joue encore. Donc, bah, c'est que on a fait route là ensemble pour la jeune sélection Punta Cana, Saint-Domingue. Donc, Et c'est comme voilà. des frères, hein, et le retrouvaille, ça, au fait, c'est comme une famille. Ah ouais, bah oui. En plus, ça fait plus de temps, nous pas. Ouais, donc, les m'a parlé tout à l'heure, soir même la même semaine dernière, avec Franz Pirro. Et c'est incroyable. Tu sens vraiment le mec, il est à bloc, quoi. Tu vois. C'est impressionnant quand même, tu vois, c'est là que tu montres que on veut vraiment faire quelque chose pour le pays, tu vois, donc ça, c'est, il n'y a pas de prix, quoi. Et c'est particulièrement ça qui t'a guidé, nous fait Google Cup, nous t'a fait A, et unité Exactement. équipe ça, unité équipe ça, Exactement. Voilà. extraordinaire. Ouais. Donc, espérer que nous sommes capables de faire même unité ça, et puis pour aller vers le plus grand objectif, pourquoi pas, parce que quand même, il y a des tests extrêmement importants et à venir, et très bientôt. Turken qui cause Nicaragua, ok, mais le second tour sera assez relevé. Canada nous connaît déjà, et puis bon, ce qui va venir après, c'est nous qualifier. Ah ouais, c'est sûr, mais comme je te dis, déjà, il faut que nous concentrons sur deux premiers matchs, c'est Chicken Caicos et Nicaragua, parce que même si Chicken Caicos, il y a un peu en valise et dans mes Belize et Nicaragua, mais nous aussi, faut que nous mettons valise et surtout Nicaragua, faut que nous abordons le match avec tout sérieux, toi, parce que moi, c'est que si nous battons Chicken Caicos, c'est tout bas là où elle joue contre Nicaragua. Donc, et nous, mais nous pas peur parce que nous confions, on a placé nous, on a bien tout le peuple là avec nous. Donc, c'est un bonus pour nous, quoi. Et la dernière question, et en parlant de la CAI, la CAI nous, et Haïti vit un moment difficile, dernier temps ça, où sommes-nous toujours été très attachés à Haïti, ou suivre nouvelles sur Haïti, ou aider tout le monde capable, et récemment, on a fait un gros geste à des gens qui sortent dans quoi des bouquets même. Comment de loin, ou à suivre les situations et évolutions difficiles, compliquées, Haïti a traversé comme pays. Et quel est le message, si tu en as? Très dur, ma bonne matière. Parfois, bah partageant, hein,
m'a montré certaines bagages, tant qu'on m'a exprimé comme un paquet de jeux qui est capable d'exprimer sur Internet. Mais c'est très dur. C'est très dur. Côté pour ou sorti dans un pays comme ça, au lieu que nous unions, ouais, que c'est tuer nature entre nous-mêmes. Donc, c'est pas facile. Et d'autant plus, à part de ça, tout bail qui a passé dans le pays, là, politiquement, etc. Donc, c'est des bails qui sont pas faciles à avoir, quoi. Donc, à vivre aussi. Et moi, mettez en place mon genre, parce que moi, j'étais dans le pays, là, jusqu'à 17-18 ans quand même. Donc, moi, compte qui j'en sais rien, moi, qui j'en sais. Et la misère politique et tout ça, donc je sais très bien. Donc, ça qui me capable de dire, mon c'est que. On met tête nous ensemble. Jean ouais divise a dit, ah, l'union fait la force, quoi. Donc, la preuve, on l'a déjà montré sportivement et à la Gold Cup. Quand tout le monde unit, qui est capable de faire un bagage incroyable. Donc, bah, c'est que c'est pas seulement dans le foot. Je pense que même politiquement aussi, si tout le monde unit, bah, c'est que. Et tout le monde après que gros changement là qu'elle a. Donc, c'est tout ça n'a pas des mondes. Et puis ben, toujours des nous, soutenu nous. Ben, il n'est pas facile pour nous, qui sommes capables de préparer le match, etc. Mais on connaît le peuple a besoin de résultats. Mais il faut que toujours des nous, qu'on a nous. Et puis la joie qui est au même au besoin. Hein. Que le peuple là, que le gouvernement au soir, whatever, mon apoko kabayol, mais nous-mêmes, à travers le football là, nous avons réussi bayol. Donc, et nous besoin, tout genre, même, nous besoin, nous. Hein. Voilà, Collins, c'est ton plaisir pour nous te donner une interview ça, et c'est certainement pas dernier que nous avons pour nous faire, et quand pile l'autre moment fort qui va le gagner pour rester. Donc, merci pour disponibilité et puis à très bientôt. Ok, à très bientôt. Ciao. Voilà, Colin Sarkus qui était ensemble avec nous. Dans l'interview, ça, c'était un plaisir pour nous interviewer lui sur un pile point d'actualité, tant que grosse saison que le saut fait à KJ Auxerre, et possibilité pour la jouer dans l'autre championnat et, ou encore dans l'autre division, en première division, nous toucher avec lui tout, question sélection nationale. Là. Vraiment, un pile plaisir pour nous être ensemble et d'espérer d'être capable de jouer très bientôt pour une autre entrevue avec l'autre Grenadier. Et à la prochaine.